Salut à tous, c'est Mr. Phoenix et bienvenue pour un nouvel épisode de Dragonia 5 1985, le jeu de rôle, cette intro n'est pas du tout monotone. Absolument pas. Donc, avec Okino et Spiritus, Volker est parti fêter Noël dans les montagnes enneigées des nains, et Frost, lui, en allant dans les montagnes enneigées des nains, a chopé une vilaine maladie, donc il ne sera pas là en vocal, mais il est bien présent. Son esprit nous a vous voyez d'ailleurs sur la partie texte. Voilà. Si elle est là. Cette fois, elle devrait être là. Voilà, vous voyez ces fantastiques pensées. Ces fantastiques conneries. Voilà, je viens de me rendre compte que les tours avaient une aura. Ce sont des magnifiques tours. Ce sont des effets spéciaux à bas budget, Okino. Donc, dans le précédent épisode, vous êtes Ovarel. Et Kinaika, donc qui est le petit familier d'Okino, vous avez averti sur un danger émanant des montagnes des nains qui avait provoqué cette incroyable impulsion magique, et donc vous aviez décidé finalement d'enquêter là-dessus et de vous rendre chez les nains. Sauf qu'Ovarel, lui, ne peut pas vous accompagner puisque les gardes, l'ont un petit peu emmené au poste. Un tout petit peu. Voilà. Donc il vous a demandé de vous arrêter à la première ville et de l'attendre. Du coup, vous êtes tous les quatre. Les gardes ne font pas particulièrement attention à vous. Ils vous remercient d'un sourire pour votre assistance. Que faites-vous? On y va du coup. Il n'y a même pas besoin d'acheter un guide du routard. Notre guide du routard, il est juste là, tu vois. Nanana. Très bien. Par contre. Donc, oui, vous. Spiritus, t'as plus ton talisman, c'est ça? Il est déchargé? Ouais, il est déchargé. Ok, donc tu continues à faire flipper les gens, c'est bien. Ouais, c'est ça. Très bien, donc du coup. Vous prenez peut-être quand même du repos. Hein. Précisons que votre réveil en prison a été un petit peu brutal. Non, parce qu'il y a des temps entre les épisodes des fois, mais c'est vrai que je me souviens maintenant que vous venez de vous reposer au camp en fait, vous avez juste fait un petit détour par les tunnels. Bon, vous avez pris un petit peu cher, mais vous n'êtes pas non plus... Surtout moi en fait. Moi aussi. Vous pouvez vous reposer, mais je vais pas non plus vous imposer, c'est comme vous le sentez. Oh oui, on se repose un peu. Oh, la tente, on peut passer dessous. On peut passer sous la tente. Oh, trop d'effets. Effets spam. Spiritus qui arrive avec ses grosses têtes de loup. Allez, je vous tous. Ok, donc Frost, de toi, tu t'approches de la tente. Et les gardes n'ont pas d'objection à faire. Hein. Après tout, c'est un peu vous qui avez joué un rôle majeur dans l'extermination de la menace. Donc, plutôt disposés à vous laisser accaparer la tente. D'ailleurs, la tente, voilà. Normalement, il n'y a plus de problème, Spiritus, tu peux te mettre en dessous. Oui. En promiscuité. Tous ensemble. Ok, là, nous rejoignons aussi. Vous savez quoi? Je me casse. Et donc, j'ai l'habitude de dormir dehors. Pendant ce temps-là, Volker, lui, se balade tranquillement avec Erklom, qui est son familier et qui est un de ces fameux insectes qui vous a attaqué, mais qui a réussi à domestiquer, un Kanchi, et qui vient de récupérer près de l'auberge. Donc Frost apparemment tient à sa tente pendant ce temps-là. Et donc, voilà, il s'approche, et puis il touche de sa main l'animal, comme pour montrer aux gardes qu'il n'y a pas de danger, que Erklom est avec lui. Ne vous inquiétez pas, c'est mon poteau. Les gardes, un petit peu nerveux, braquent d'abord leur arbalète sur l'animal, puis voyant le geste rassurant du prêtre, se disent qu'ils peuvent après tout lui faire confiance. Ok. Et donc, Volker, lui, va dans la tente aussi, s'il y a de la place, et il ordonne à Erklom de rester dehors dans les alentours. Pendant qu'Okino se repose à un endroit random. Il y a de la place pour tout le monde. C'est monoplace. Je me mets dos à l'arbre, comme ça t'as vu la taille, Frost? Moi je me mets là, je m'en fous. J'ai l'habitude. Très bien, et donc...
On est Oui, on est plutôt en milieu de journée et donc vous prévoyez de dormir jusque quand? Bon, jusqu'au soir, hein, on va partir la nuit. Oui, c'est le moins risqué. Évidemment. Très bien, intelligence. Donc vous tous, vous endormez tranquillement, heureux d'avoir passé votre journée à l'intelligence. Très bien. Donc plusieurs heures se sont écoulées, la nuit commence à tomber et vous tous, vous réveillez. Vous sortez de votre tente monoplace. Je sors de nulle part. On va essayer de sortir vos cœurs tranquillement, voilà. C'était propre. Très bien. Donc voilà, vous éveillez, vous êtes donc prêt à vous remettre en route, c'est ça? C'est ça. Ouais. Okay. C'est par où? Donc même si à l'échelle d'un loup-garou, je suis dans la merde, mais au point de vue. Oui, t'es affaibli, mais t'as un petit peu récupéré avec. Avec ce petit coup de sommeil, mais c'est mieux. Mais on ne croise personne sur la route. Donc, après avoir mangé un coup, vous allez prendre la direction donc du royaume des nains, de là où est partie l'impulsion magique. C'est Frost qui va vous guider, puisque Frost, comme vous le savez, est né dans la région. Donc, il connaît plutôt le coin. Frost, tu n'es jamais allé dans le royaume des nains, personnellement. Ouais, mais on a Volker pour ça. Vous avez Volker, mais Volker, lui, comme on l'avait dit au tout début, Volker, lui, c'est un exilé. C'est un lointain descendant de grands seigneurs nains qui avaient été exilés par ceux qui les avaient détrônés et donc qui vivaient depuis un certain temps donc dans un royaume à côté. Donc Volker, lui, donc, en fait, connaît il a le royaume des nains via les ondes de ses parents, en fait. C'est surtout ça. Mais il connaît pas réellement comment s'y rendre à partir... du pays où vous êtes actuellement. Donc du coup c'est Frost qui vous guide et vous prenez donc la direction de l'ouest. Parce que c'est vers l'ouest que vous atteindrez la frontière. Les gardes vous souhaitent... Il est dans les environs, Frost. Oui, dans les environs, c'est Volker qui est né chez les nains. Oui, enfin Volker n'est pas né chez les nains puisque l'exil il s'est produit avant sa naissance. Donc il est déjà né dans le pays de cet exil en fait. Il a jamais ouais, vu. Ouais, mais il s'est pas rendu en parler, quoi. Il doit connaître un minimum le truc. Ses parents étaient obsédés par le fait qu'ils aient perdu leur trône de seigneur nain. Il lui parlait que de ça. Putain. D'ailleurs, il vous rabâche des histoires de son enfance pendant tout le trajet. Et donc, hop, vous vous mettez en direction de l'ouest. Et pendant quelques heures, donc, vous parcourez une plaine. Une plaine. Parfaitement plate, parfaitement monotone, où vous ne rencontrez absolument personne. Et pourtant, on est parti de nuit. Ouais. Et donc, la lune éclaire votre chemin, et aucun incident ne se produit. Toutefois, une reprise, quand même, vous croisez au loin un démon, donc un peu comme Kinaï, qui a l'air très perturbé, à moitié fou, qui vole un petit peu de manière erratique et qui s'éloigne au loin. Et donc, Kinaika vous confie qu'il a perçu que cet esprit était apparemment devenu fou. Comme quoi, les impulsions magiques ont eu plus d'effet que ce que vous le pensiez. Et donc, après quelques heures, le terrain commence doucement à monter et puis vous apercevez au loin de grandes montagnes qui vont marquer la frontière avec Arknor, le royaume des nains. Donc vous poursuivez, pendant une journée entière, vous marchez, vous vous approchez des montagnes, et plus vous avancez, plus vous commencez à voir des signes un peu louches. Apparemment, les effets de l'impulsion magique se font pas mal ressentir dans la région. Frost, toi qui connais plutôt bien les plantes, ainsi que Volker, en tant que guérisseur, et vous remarquez que certaines plantes, elles ont l'air un peu mal en point, surtout celles qui sont très sensibles à la magie, qui semblent pour certaines quasiment mortes. Et donc, je sens rien de dérangeant au niveau magique, non, approchons. Niveau magique, Okino, c'est les problèmes, l'impulsion s'est retombée, mais tout de même, tu sens que l'air est un petit peu plus chargé en magie que ce qu'il devrait. Super, je peux lancer les sorts plus puissants. C'est ça. Alors,
effectivement, pour l'instant, tu consommes un point de mana en moins. Grâce à cette abondance de l'énergie. Et donc, à la fin de la deuxième journée de voyage, donc vous montez le long des montagnes, le long d'une grande route qui est manifestement ordinairement empruntée par pas mal de gens pour accéder au royaume des nains, mais là, surtout Frost, toi tu es surpris parce que tu connais un petit peu cette route, c'est désert, il n'y a personne qui vient du royaume des nains, personne qui s'y rend, bon ça c'est normal puisque c'est un petit peu le chaos du coup, de là où vous venez, mais surtout... Qui a envie d'aller chez les nains, sérieusement. Personne ne venant de chez les nains, donc ça vous étonne un petit peu. Quoi, belle animation. Ça fait des commentaires chelous. Donc, vous marchez, et puis, au final, vous finissez par arriver en altitude, et puis, vous arrivez bientôt en vue d'une sorte de grande barricade. C'est surmonté d'une grande tour et ce que vous y voyez bien tout simplement ce sont les gardes qui protègent la frontière du Rentila, le royaume où vous vous trouvez. Et donc vous franchissez cette première frontière sans trop de problèmes. Donc vous atteignez... Oui, non, mais effectivement, il n'y a pas de map pour décrire un voyage de deux jours. J'allais pas faire un travelling. Hein. Je suis un flemmard, il faut le savoir. Bah, tu pouvais juste faire une carte, c'est un peu une aventure. Si tu mets une carte, puis tu dis vous allez de là, là. Qui a dit que j'avais un budget? Toi. La YouTube money. Moi. Voilà. Oui, mais pas encore. Et donc, vous atteignez cette frontière du Rentila où les gardes semblent vouloir vous laisser passer. La porte, la grande porte de la frontière est ouverte. Et puis, les gardes, alors, vous interpellent. Hey, voyageur, qu'est-ce que vous faites par là? On se balade. Vous vous baladez? Que nous fassions d'autre. Vous savez qu'on est un petit peu sur les nerfs avec... Enfin, vous avez dû sentir la catastrophe magique. Ouais. Nous tous ici, on l'a senti. Même ceux qui étaient pas mages. Hein. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans les pommes pendant quelques minutes. Et puis, le mage du poste de garde... Enfin, bref. Si vous voulez aller au royaume des nains... Je vous conseille d'être prudent, je sais pas pourquoi, mais il y a 3 jours, la frontière avec notre royaume a été fermée par les nains. Vous verrez, leur frontière est à quelques kilomètres, ils ont un petit fort. Mais ils refusent toute communication avec nous, ils veulent plus laisser passer personne. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils savent quelque chose, effectivement, sur cette pulsion magique et qui... Parce que c'est quelqu'un qui vient de l'autre côté de la frontière. Enfin, de l'autre côté de la frontière qui a fait le coup. Ouais, je vous conseille pas trop d'embêter les nains, mais je suis curieux aussi de savoir ce qui se passe là-bas. Alors, si vous arrivez à passer, prévenez-nous. Ok. Et donc, ils vous laissent passer, tout simplement. Et donc, vous passez donc dans un col et vous poursuivez sur un chemin de montagne qui monte doucement. Et puis, finalement, vous arrivez en vue d'un petit fort. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit fort qui se situe au beau milieu du chemin. De chaque côté, le chemin est cerné donc de hautes montagnes. On ne peut pas passer à côté. C'est un endroit stratégique et qui est donc bien gardé par une troupe de gardes nains. Oh merde. Nous on arrive de là-bas. Bah, c'est des nains en même temps, Frost, putain. Voilà. Évidemment qu'ils sont tout petits, ce sont des nains. Donc voilà, vous vous engagez. Moi, vous avez permis tout le monde sauf moi, Fanax. Personne ne t'aime, Okino. Tout le monde aurait aimé que je t'oublie. Donc voilà. Donc vous vous approchez de la frontière et vous remarquez que Volker, il est un peu fébrile. Il revient finalement au pays de ses ancêtres. Et donc c'est lui qui marche devant vous. Je suis de son abomination sur pattes. Personne ne l'aime en fait, à part lui. C'est ça. Très bien. Donc, en approchant du fort,
vous vous rendez compte que, eh bien, la porte est complètement fermée. Les gardes nains ont visiblement le visage fermé. Ils vous regardent d'un air assez agacé et ils n'ont visiblement pas du tout l'intention de vous ouvrir aimablement la porte. Ils vous interpellent. Qui va là ? Le passage est interdit. Je fais un petit peu avancer Volker et je lui s'avoue comme quoi c'est celui qui semble le plus proche de ces terres qui s'en sortirait mieux pour le faire passer. Ok, donc Volker, effectivement, il s'approche des murailles et il lance à ses compatriotes. L'accent Voilà, il leur lance bien le bonjour. Je suis Volker Moltein, Domina. Alors comme ça, on ne veut pas nous laisser passer. Pourquoi donc? Et donc, les gardes nains froncent un peu les sourcils et lui répondent. Monsieur le Domina, les ordres sont les ordres et nous ne les discutons pas car nous avons tous le même accent. Le conseil supérieur Yulkung a ordonné l'évacuation de toute la région. Il a également ordonné que nous ne laissions passer aucun voyageur. Ce sont les ordres. Nous ne vous laisserons pas passer. Même un demi-nain. Je lance comme ça. Connaissez-vous par hasard la raison de ces temps? Les raisons des ordres, ce sont... Gimli. Non. Les raisons, c'est l'affaire du conseil. Nous exécutons les ordres et nous n'avons pas été autorisés à communiquer quoi que ce soit. Et si c'est nous qui vous exécutions? Très bien, donc passer. Et donc Volker répond ça restera entre nous. Je suis juste un dominant qui veut rentrer au pays. Je ne menace personne. Allez. Et effectivement, échec du test de charisme à l'arrache. Les gardes agitent un petit peu leurs armes d'un air un petit peu agacé. Se passent la main dans la barbe et répondent. Avez-vous donc pas compris? Vous ne passerez pas. Revenez un autre jour. On est les parrains de la mafia. C'est ça. Sauf si vous payez en banque. Vous passerez. Donc effectivement, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous exécutez les ordres? Eh bien, si c'est nous qui vous exécutions, ça vous irait? What the fuck? Quoi, c'est très... On y va la dessus. Que si tu nous enlèves un peu des contentes. Et donc, on t'entend plus, Spirit. Alors là, effectivement, Okino est très 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 chaud aujourd'hui. Donc effectivement, tu leur dis ça. Et donc là, immédiatement, ils tirent leurs armes. Et Okino, Volker et Frost, vous sentez l'air qui vibre légèrement, la magie qui est sur le point d'être invoquée, et puis un des gardes nains qui appelle par ici. Il y en a qui insistent. Voilà, et donc vous voyez quelques gardes supplémentaires qui s'approchent. Un qui espérait un voyage tranquille, putain. les armes sorties, et Okino, effectivement, tu sens qu'il y a des mages dans le coin. Et les nains donc s'adressent à vous cette fois avec une certaine agressivité. Qu'est-ce que vous croyez faire, misérable luminien? Vous vous trouvez ici à un poste de frontière. N'espérez pas passer. Et Volker donc se retourne vers toi, Okino, et te chuchote. Okino, fais gaffe à ce que tu fais. Je connais ce genre de forteresse naine. C'est prévu pour garder une frontière, même contre une armée, on passera pas là. On peut pas passer très bellement, mais on peut toujours forcer la main. Je te dis qu'on peut le faire. Je te dis que non, Okino. Ce fort, il a résisté à un assaut de l'armée du Rentila pendant la dernière guerre. Et tu sais quoi, l'armée est pas passée, pourtant ils étaient prêts 1000.
forcer dans le tas ne marche jamais. Enfin, sauf quand on a sa baisse spirituelle space. Mais bon. Et donc, Frost, lui, dans le débat qui est en train de s'engager, propose une négociation avec Ghibli. Ouais, bah c'est toi qui l'as fait, hein, ta négociation, moi je suis mort. Négocier, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est déjà plus tout à l'heure, mais ça marche pas. Et on t'entend plus, Spirit, c'est... T'as des petits bugs. Donc Frost, donc tu essaies d'apaiser la situation... Allez, ne nous énervons pas pour si peu. Et les gardes vous regardent toujours le visage fermé. Ils n'ont pas l'air d'attaquer, mais vous sentez qu'ils sont sur le point de faire dégénérer la situation. Frost qui fait des commentaires, il se permet des choses. Et donc, hop. Okino, à cet instant, fais-moi un test de mental. Mental. 82. Ah, c'est échec. Attends, j'ai des bonus normalement dans la magie, donc. Si c'est vrai, magie. Tu n'as pas de bonus sur cette action-là. Je t'emmerde. Non. Tu t'approches. Armé manifestement d'intentions belliqueuses, et puis tu sens dans ton esprit violemment quelque chose qui entre dans ton esprit sans ton autorisation, la présence d'un autre mage. Et donc tu reconnais celle d'un mage nain, donc qui une fois entré dans ton esprit te déclare immédiatement mentalement espèce de mage de pacotille, retourne de là où tu es venu, je ne te laisserai pas menacer mes hommes. Oh, ça parle mal, vous ne voulez pas me laisser menacer vos hommes? Laissez-moi rentrer. On ne pouvait qu'à mal à la base. Oui. Et donc le mage dans ton esprit rétorque vous ne passerez pas. Point final. Pour l'instant, l'accès vers le royaume est interdit. Ça n'est pas discutable. Vous allez faire demi-tour immédiatement. Où nous engagerons les hostilités. Et donc, L'accès au royaume-là est interdit jusqu'à quand? Jusqu'à nouvel ordre. Bien. J'en serais été à moi, ok. Et donc Volker se retourne vers vous et vous dit non, c'est pas possible. Faut pas qu'on s'engage dans un combat avec ces mecs-là. C'est dangereux. Bordel, Frost. On est vraiment obligé de passer par là, on peut pas contourner. Et donc Frost, on s'en perd de la grimpette, j'ai l'impression, si on contourne. Frost qui n'a pas la possibilité de s'exprimer parce que s'il est un peu mort. Frost répond je sais pas, s'ils ont fait une forteresse là, c'est bien parce que c'est un petit peu le seul passage dans le coin. Enfin, il y a bien un accès, mais c'est pas vraiment le genre d'accès idéal, si vous voulez. C'est un col qui est situé à plusieurs jours de marche. Le col après, des brumes qu'on des a passé, ça risque rien. Ça fait des siècles qu'il est plus ou moins abandonné. Normalement, on devrait pas rencontrer de garde. Bonjour. C'est très la réaction. Ouais, bah non, moi je dis, hein, c'est là que tu passes par Spirit. Ouais. Bon, on y va. De toute façon, après ce qu'on a vécu. Voilà, et donc, Volker lui répond bon, c'est le seul moyen d'éviter d'étriper la moitié de la garde. La moitié, je pensais faire les trois quarts, moi. Oui, toi t'es fou, c'est pas pareil. Donc Frost, tu leur expliques que c'est un accès qui est situé un petit peu plus au sud, qui s'appelle le col des brumes d'Eldessiar. Et donc vous vous mettez en marche bien pour cet endroit, pendant que les gardes vous regardent vous éloigner en ricanant. Bon débarras. Bon. C'est pas terminé. Petit choc pour fêter ça. Et donc,
au cours de... Donc, à cet instant-là, Frost, tu te retournes vers les nains et tu leur fais un signe extrêmement injurieux. Les nains te répondent par une salve de jurons en ancienne langue naine. Tu ne comprends pas, mais tu vois Volker qui blêmit légèrement et qui fronce les sourcils tout en serrant les poings. Mais il ne se retourne pas. Et donc les gardes retournent à leurs occupations qui, à n'en pas douter, sont tout à fait légitimes pour un garde. Jouer à la belote. Effectivement, ils vont jouer à la belote, mais oui, tout à fait. Et donc, redescendez légèrement et puis vous vous engagez sur un chemin parallèle qui descend donc vers le sud, qui longe les montagnes, pour atteindre le col. Donc, Frost, puisque vous avez eu le temps, le long du... pendant le voyage... Frost s'est séparé, je crois, en fait. Non, il est en train d'écrire, si tu veux. Ouais. Frost a fait une magnifique faute. C'est beau. Oui, pareil qu'on les reverrou. C'est sans que Frost s'éloigne d'un pas majestueux en faisant « On vous reverrons oh, !» oh, con. Et donc, le long du chemin, du coup, il y a Frost, tout le monde devant lui qui fait un face-plum. C'est ça. Frost vous parle un petit peu de ce chemin parallèle. Donc, il vous explique un petit peu son histoire, ce col des brumes d'Eldessiar. Il vous dit qu'il a été nommé ainsi d'après le nom d'un célèbre roi elfe, Eldessiar, qui avait mené une bataille dans ce col, une bataille où les nains et les elfes, pour une fois, s'étaient alliés pour lutter contre un envahisseur commun. Dans cette bataille qui s'est déroulée il y a plus d'un millénaire au moins, vous n'en savez pas la date exacte, mais c'est lointain, peu de gens en ont encore le souvenir véritablement. Les nains et les elfes donc ont tenté d'arrêter l'envahisseur, et les deux armées qui se sont rencontrées se sont tous les deux anéanties mutuellement. Et afin de stopper l'envahisseur, le roi elfe Eldessiar avait lancé un puissant sort sur toute la vallée où se menait le combat, ce qui a gelé éternellement la vallée et a interdit tout accès aux ennemis. Et depuis lors, depuis des milliers d'années, plus aucune armée n'a jamais passé ce col et très peu de gens s'y aventurent. Frost, toi tu sais que ce n'est qu'un chemin qui est emprunté de temps en temps par des contrebandiers qui n'ont pas vraiment envie de passer par la frontière officielle. Après l'attaque qu'on a lancée, on risque plus rien. Et donc, ouais. Vous vous approchez de cet endroit, de cette vallée. Vous arrivez progressivement vers un col situé entre deux hautes montagnes à l'aspect vaguement menaçant. Et vous vous apercevez un petit peu étonné que, même si tous les sommets autour ne sont pas enneigés, autour de la vallée, eh bien ils sont toujours couverts de neige. Et donc Okino, toi, t'es plutôt intéressé parce que t'en déduis que ce sortilège de gel n'est toujours pas apaisé, n'est toujours pas dissipé après tout ce temps. Tu te demandes bien pourquoi et comment. Ouais, c'est un sort de longue durée, à présent il doit être entretenu. Et donc, au bout d'une bonne journée de marche, vous êtes arrivé au niveau du col, vous montez sur un petit chemin qui manifestement n'a pas été emprunté de façon intensive depuis très longtemps, et vous arrivez quasiment aux portes de ce col. Vous avez derrière vous une belle vue sur la vallée que vous venez de quitter, et devant vous, le panorama est un peu insolite. Le climat se refroidit très brutalement. Sans raison valable, vous mettez brusquement à frissonner. Les pentes sont couvertes de neige alors que quelques mètres plus tôt, ça n'était pas le cas. Et devant vous, vous voyez une sorte de vallée qui s'étend entre les montagnes enneigées. Une vallée couverte d'une brume extrêmement épaisse. Vous ne distinguez absolument rien de ce qu'il peut y avoir dans cette vallée. Vous voyez simplement que de l'autre côté, manifestement, il y a un accès pour rejoindre le royaume des nains. Bon, bon, bon. On y va ? Ouais. Et que ça fout de toute façon. Ok, donc... vous vous engagez dans la brume. Ah, je peux pas essayer avec Kinaika d'éclaircir un peu les alentours.
Effectivement, tu peux utiliser Kinaika pour éclairer un petit peu les alentours. Effectivement, pour pas glisser comme une merde et se retrouver tout en bas. Ce serait un peu con. Donc vous allez, vous commencez lentement à descendre dans la vallée. Vous entrez dans la brume, ça devient de plus en plus opaque. Vous sentez un vent glacé qui vous frappe de plein fouet. Et l'ambiance devient lentement assez oppressante. Vous voyez quasiment plus rien. Et puis Okino, Volker, Frost, vous sentez de la magie tout autour de vous. De la magie, une magie assez violente, assez intense. Et qui vous fait vous sentir très mal à l'aise. Ouh. C'est celui qui doit la payer le plus quand même, cette sensation, hein. Très bien, donc vous vous enfoncez dans les brumes, vous avez de plus en plus froid. Vous marchez, vous marchez pendant un certain temps, vous n'arrivez pas à dire vraiment pendant combien de temps, ça pourrait être une heure, ça pourrait être un jour, vous commencez un petit peu à perdre la notion du temps dans cet endroit, vous n'avez plus de repères, malgré la lumière de Kinaika, vous n'y voyez quasiment rien. Le chemin sous vos pieds, vous le distinguez à peine et vous essayez autant que possible donc de ne pas trop vous en écarter. Parce que vous ne savez pas ce qu'il pourrait y avoir au-delà. Une chute brusque. Ouais, le problème c'est que vous ne savez pas vraiment. Parce que si ça se finit en falaise, c'est la merde. On la voit pas venir, on tombe. Attends, on est d'accord que Kinaika, c'est une petite boule d'énergie. Oui. Oui, mais qui peut faire un peu de lumière. Oui, mais donc c'est pour ça que je me demandais si on peut, si Okino pouvait pas demander à Kinaika d'aller un peu plus sur l'avant et nous dire ce qu'il y a. Elle en verra, Kinaika n'en verra pas plus que nous. Kinaika. Tu peux lui demander effectivement Okino de sonder la brume. Ses sorts sont un petit peu brouillés par toute cette magie ambiante et distingue. Ça m'étonne même que Kinaika réussisse à rester dans un état à peu près stable. C'est vrai que tu sens un petit peu par ton lien mental que il souffre un petit peu quand même. Il se sent vraiment pas bien et il a très très envie de sortir d'ici. Donc vous poursuivez sur le chemin et vous tombez un moment sur un squelette. Un squelette visiblement qui ne date pas de la guerre. Un squelette récent. Charmant. C'est tout ce que je dis en passant à côté. Charmant. On va faire gaffe. Et donc, comme vous continuez, comme vous commencez à vous demander si vous allez un jour trouver la sortie de cet endroit, vous voyez à un moment briller une sorte de lueur bleuâtre au loin. Que faites-vous? Petit aparté par rapport à l'histoire, il y a France qui arrête pas de demander depuis tout à l'heure sur un coup du JDR. Est-ce que c'est bientôt fini puisque je dois y aller? Non. C'est pas bientôt fini. Mais tu peux y aller. On peut finir sans lui parce que pour l'instant il est plus en mode scénario. Hein. Bah oui, c'est vrai que du coup, comme il peut pas beaucoup participer. Donc, effectivement, donc, vous voyez cette vive lueur bleue à travers la brume. Vous ne voyez pas d'où ça peut venir, mais c'est devant vous. Je le sens pas. Spiritus, c'est toi qui commence comme d'hab. C'est toi qui l'as repéré en premier d'ailleurs. Donc c'est une espèce de brume étrange, ça. Une lumière que tu vois à travers la brume. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est bleu. J'essaie de me rapprocher, mais en restant sur mes gardes, mais pas trop non plus. Elle est au loin. Elle est pas juste devant vous. Merde. Elle est en face de nous, au loin. Bon, foncer ta bifule là-dedans, ça me paraît pas d'être une super bonne idée. Donc,
À la limite, je vais pas plisser les yeux parce que c'est plus possible. Tu peux me faire un test de perception éventuellement. Ça passe. J'allais te mettre un malus à cause de la brume. Merde. Mais bon, ça passe quand même du coup comme t'as fait un bon score. Alors tu regardes ce que ça peut être. Tu vois que c'est une lueur. Tu déduis que c'est peut-être plutôt magique parce qu'une lumière bleue tu n'en vois pas tous les jours. Et en regardant mieux, tu vois que c'est pas juste une seule lueur, mais que c'est en y regardant bien. Deux lueurs côte à côte. Peut-être deux mages qui sont en train et qui sont... Non, c'est pas des mages, c'est une bestiole. On est dans la merde. Okino. À qu'est-ce t'en sais ? Oh bah, si je la vois, j'essaye de percevoir ce que c'est, quoi. Tu essaies de percevoir avec tes yeux, avec ta magie ? Magiquement, notamment parce que les lumières bleues, je ne la crois non plus. C'est peut-être un peu loin pour faire un arc pour tirer avec l'arc. T'as fait quoi avec tes sens, avec ta magie? Ouais, avec la magie, mais. Avec la magie. Ça passe. Ça passe même en tenant compte évidemment des difficultés que te met la présence magique constante qui est due au sortilège, visiblement au sortilège de gel. Et donc, tu tends ton esprit vers ces lueurs au loin. Et tu perçois de la magie. Tu perçois une présence magique nette. Ça ressemble pas à la présence magique d'un mage. Ça ressemble pas à la présence magique de quelque chose que tu connaisses vraiment. Tu as l'impression que c'est une magie qui est emprisonnée à l'intérieur de quelque chose. C'est difficile à définir, tu ne sais pas vraiment ce que ça pourrait être et ça t'inquiète un peu. C'est la merde. Des lueurs étranges, bizarres et exotériques. Très bien, donc Frost, toi, tu as déclaré que par réflexe, tu voulais tirer sur ces lueurs, c'est ça ? C'est ce qu'il a dit un peu plus haut. J'aimerais une confirmation par le chat, du coup, idéalement. C'est pas drôle. Mais tété ! Hein, Frost ? Oui, il a dit oui. Très bien. Donc oui, Frost, je crois que c'est bon, on va prendre ça pour oui. Il y avait un malus assez conséquent dû à la brume, mais mes malus, avant même que j'ai le temps de les formuler, vous les contrez avec des bons scores. Très bien. Donc Frost, tu vois ces lueurs, tu vois la tête aussi que fait Okino, qui est un peu déconcerté, qui se demande ce qui se passe, et toi, devant ces lueurs dans la brume, tu tires directement. Ta flèche perce la brume. Elle file vers les lueurs, elle semble toucher dans le mille leur origine, et vous voyez que elle vacille légèrement, mais elle ne bouge pas. Plus que ça. Et puis, à cet instant, vous voyez une deuxième lueur qui s'allume juste à côté. Troisième ou deuxième ? Du coup, ça fait troisième. Et puisque vous commencez à percevoir un petit peu mieux, vous pouvez dire que donc ce sont deux paires de lueurs. Ouh là là, c'est des feux follets, c'est quelqu'un qui les invoque. Putain. Et donc, Okino, tu sens, et les autres mages aussi, que la présence de la magie autour de vous s'intensifie et que l'ambiance devient de plus en plus désagréable pour les mages, de plus en plus oppressante. Oulala, on est dans la pure merde là, c'est... Hop, Volker, pendant ce temps, essaie de sonder les environs avec sa magie. Oh. Et donc il sonde les environs avec sa magie, il essaie de percevoir ce qui est en train de se passer, et tout ce qu'il peut vous dire c'est je sens des présences magiques partout autour, je sais pas ce que c'est. Oh mais c'est la merde, c'est la merde, tellement nerveux que j'en ai perdu mon accent. Spiritus, pendant ce temps là, que fais-tu? C'est des présences magiques, c'est ça? D'après ce que les mages ont dit, oui. Ok,
Que faire? Qu'est-ce qu'un loup-garou peut faire face à de la magie? Bonne question. Sur le coup, j'aurais dit peut-être tenter un hurlement bestial et voir si ça éloignerait pas justement ses présences. Et ben pourquoi pas? Ça sent un peu la merde comme plan. J'avoue. Bah écoute, tu peux le tenter. Ça va résonner en plus cette connerie et il le fait. Waouh! Ouais. Est-ce que tu réussis les rugissements bestiaux des fois? Très bien. Non mais. Mais bah c'est beau hein! Donc. Frost, donc un peu effrayé. Un peu effrayé par ces deux lueurs devant toi, et bien, tu hurles, tu pousses un hurlement de loup-garou. Mais comme d'habitude, c'est un hurlement qui sonne un petit peu faux, qui sonne un petit peu loup efféminé, et ça n'impressionne visiblement que le compagnon de Volker, que Erktom. Ok. Et donc, à l'instant où tu pousses ce hurlement, vous sentez brusquement la présence magique qui s'intensifie. Vous, les mages, vous commencez à avoir à ressentir un violent mal de tête, et puis, sans un bruit, à partir de là où vous avez commencé à percevoir les premières lueurs, et bien progressivement, il y en a d'autres qui commencent à s'allumer, toujours deux par deux, et vous vous rendez compte qu'elles s'allument tout autour de vous. C'est des bestiaux, vous êtes encerclés. Des bestiaux magiques, on est dans la merde.